j'espère que ce soit un peu plus bas quand même. Oui. Salut. Ta veste, hein, parce que c'est impressionnant. C'est
Oh là là! Non, mais là, c'est vraiment impressionnant. Alors, dedans, tu as un DVD que tu dupliqueras. Tu as mon dernier livre, une revue dans laquelle tu es cité, et un DVD, et un CD ou de Brassens par les pommes de la douche. Oui, oui. Quoi, tu vois, c'est... oui, oui. Donc, bon, ben, moi, j'ai une petite soif, là. Écoute, c'est... C'est pour moi. Ah, c'est pour... Non, non, c'est pas pour toi, mais je te le montre. Oh, c'est très bien, c'est... oui, oui, oui. Mais tu vas être trop sérieux, là, écoute. Bah, je sais pas, tu sais, quand on fait un photomaton, on est toujours sérieux. C'est pas... Le cinématon, au contraire. Ah, tu as fait ton photomaton voilà, en bas, alors, c'est oui, ça. D'accord. Un cinématon, là, c'est différent, tu vois. On peut être sérieux, mais on peut être drôle. Alors qu'un photomaton, on est obligé d'être sérieux, tu vois. C'est ça le problème. Justement, alors, comment c'est né le cinématon? C'est né à partir de l'expérience de la photomaton? C'est-à-dire que le cinématon, on peut dire que c'est un peu une transposition de la photo d'identité en cinéma. Mais le cinématon, il y a quand même beaucoup plus d'images. Il y a 5000 images dans un cinématon, alors que dans les photomatons, il peut y en avoir qu'une ou quatre en général. Mais en fait, c'était pour créer une mémoire du monde artistique, parce que je connaissais beaucoup de jeunes artistes qui n'étaient pas encore connus. Et au départ, je m'étais dit, ça serait peut-être intéressant de les filmer dans un dispositif très particulier pour créer une mémoire sur le monde artistique. Alors j'ai commencé par des gens pas connus, des jeunes artistes, des poètes, des peintres, des jeunes cinéastes. Puis après, très très vite, c'est allé vers des célébrités, des Jean-Luc Godard, des Sandrine Bonnaire, des Wim Wenders et des Samuel Fuller. Au départ, c'est expérimental et maintenant, ça devient une mémoire. C'est le film le plus long du monde, c'est ça? Alors, Cinémathon, c'est le film le plus long du monde réalisé par une seule personne. Parce qu'il existe un film plus long, mais qui est réalisé par un collectif en Finlande. Ils se sont mis à une dizaine pour faire un film de 240 heures. Mais les cinémathons, là, maintenant, j'approche des 162 heures. Et récemment, à l'automne dernier, il y a eu deux intégrales. Une à Lucca, en Italie, qui a duré 3 semaines. Et une autre à New York qui a duré 17 jours, où l'intégrale était présentée du premier cinémathon au dernier. Et le sens du cinémathon, il faut le voir dans l'intégrale, pas dans l'intégralité, mais il faut avoir beaucoup de suites pour vraiment avoir un vrai sentiment par rapport à ce que vous voulez faire. Oui, en voir un isolément, ça n'a aucun intérêt. On peut toujours voir un cinémathon, mais plus on en voit, plus c'est intéressant, parce qu'il y a un effet d'accumulation, et il y a un certain nombre de comportements qui se recoupent. Ce qui fait que dans les grandes rétrospectives, c'est là que les cinémathons marchent le mieux, fonctionnent le mieux. C'est là où les spectateurs sont les plus assidus, les plus satisfaits de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont emportés par une sorte de maelstrom. Souvent, il y a des spectateurs, ils viennent aux projections en se disant « je vais voir quelques cinématons, j'en vois 3 ou 4 pour voir ce que c'est ». Et souvent, ils restent des heures, parce qu'ils sont fascinés, parce qu'à chaque fois qu'ils voient un cinématon, ils disent « mais peut-être que celui d'après va être encore mieux, peut-être que celui d'après, ça sera le plus extraordinaire de la collection ». Donc, il y a comme une sorte de suspense, on n'arrive pas à s'échapper, on est vampirisé par l'écran du cinématon. Alain Pocard, vous êtes un homme de mots, de lettres. Quel regard vous avez sur Gérard Courant, homme de l'image? Je fais d'abord partie d'une génération qui a été aussi élevée dans le cinéma. Et c'est un autre écrivain, Dominique Noguès, qui a dit de Gérard Courant que c'était le Saint-Simon de la pellicule, c'est-à-dire une sorte de mémoire, de comptabilité de ce qu'est écrivain, cinéaste, etc., de tous ces gens-là. Moi, je sais que mon cinémathon est parlant, puisque, comme c'est muet, la première fois que j'ai fait un cinémathon, je n'en avais quasiment jamais vu, j'ai téléphoné à quelqu'un, en vrai, hein, c'était pas du tout, je simulais pas en vrai, parce qu'il faut que je parle. Et il y a d'ailleurs, dans les cinémathons, il y a beaucoup de gens qui se croient obligés de parler, parce que dans la vie, ils parlent. Et un écrivain parle aussi. Un peintre, il a peut-être autre chose à faire, et c'est cela, mais... On ne peut pas mettre de corrélation entre l'écriture et le cinémathon, sauf que c'est une œuvre en cours qui se poursuit comme un journal intime. Oui, mais quand on lit sur le visage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots, on lit des expressions, on peut imaginer ce que sent, ce que pense la personne qui est filmée pendant 3 minutes 20. Oui, mais c'est un vicieux, Gérard Courant. C'est-à-dire que quand il dit aux gens « vous faites ce que vous voulez », on sait que la liberté est souvent l'extrême liberté. La liberté sans contrôle est une des pires des contraintes. Et à ce moment-là, automatiquement, inconsciemment, la personne qui est filmée veut refuser la petite chose intime qui est en lui, ou en elle, enfin dans la personne, et
Bah, elle finit, elle peut tenir, son masque peut durer 3 minutes, mais les 20 dernières secondes, paf, c'est fichu, quoi. Il s'appelle de la transgression, non ? C'était un cinéphile, hein, Staline. Il adorait John Ford. Les westerns, Staline était un cinéphile. Ah oui, il se faisait projeter en 35 mm, évidemment, c'était la seule possibilité à l'époque. Il se faisait projeter des films, notamment de John Ford. Il aimait beaucoup les westerns et les comédies musicales. C'est-à-dire qu'il a dû se payer les grandes comédies musicales de Busby Berkeley ou des choses comme ça. Vous auriez fait son cinématon, Gérard ? Ah bah oui, si j'avais pu le rencontrer. Malheureusement, je suis arrivé un petit peu trop tard. Et là, je vais installer une lumière, donc je vais enlever des bouquins. Vas-y. Alors, ça. Tu n'ouvres pas les rideaux ? Non, on laisse les rideaux fermés. Tu mets de la lumière ? Oui, je mets de la lumière. D'accord. La lumière. J'ai une lumière, oui. Pourquoi on enlève tout ça là ? Parce que je vais accrocher la lumière ici. Ah, et ça chauffe beaucoup, c'est du 500 watts. Donc, je vais pousser ça quand même. Voilà. Alors. Assistant. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Là, le fauteuil du metteur en scène. C'est un rituel, alors c'est toujours, ça se passe toujours à peu près comme ça. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est assez léger comme. J'essaie d'être le plus léger possible. J'essaie d'avoir la caméra la plus petite possible et la plus légère, car je l'ai cette caméra lors de tous mes voyages, quand je vais présenter des films dans des festivals ou des cinémathèques ou toutes sortes de lieux. Donc j'ai toujours mon matériel avec moi et j'essaie d'être le plus léger possible. Et donc j'ai toujours travaillé avec des toutes petites caméras. Donc d'abord pendant des années en Super 8 et maintenant en DV, en vidéo DV. Vous avez fait des concessions à la modernité ? Ah, complètement. Vous êtes passé quand de l'un à l'autre ? Alors, pour les cinématons de 1978 à 2006 ont été tournés en Super 8 et je suis passé en juin 2006 en mini DV. Mais je pratiquais déjà la vidéo depuis des années dans le cadre d'autres films. Donc ça, c'est la place. La place du cinématonnet. Voilà, il est ici, le cinématonnet. Et il va être filmé en cinéma muet. Alors, il y a aussi beaucoup de cinématons qui sont filmés en extérieur et dans des lieux parfois, des lieux qui sont paradisiaques.
à l'occasion de festivals de cinéma, quand c'est, je sais pas, au festival de Cannes, quand c'est à Taormina en Sicile ou quand c'est à Dubaï, bon, bah, ce sont des lieux très agréables. Et j'avoue que je préfère filmer en extérieur, c'est quand même plus agréable. Là, pour les cinématonnés, ils sont plus renfermés sur eux-mêmes quand ils sont à l'intérieur. Quand on est en extérieur, on peut regarder le paysage, on peut regarder plein de choses, on peut regarder le ciel, on peut penser d'une façon différente. Est-ce qu'il y a des réticences parfois ? Est-ce qu'il y a eu des réticences de gens qui ne se prêtaient pas au, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, à jeu ? Alors, il arrive parfois que des personnes ne veulent pas être filmées. Et par exemple, Eric Rohmer, que je connaissais un petit peu, je lui avais proposé au début des années 1980, il m'avait dit non, moi je ne peux pas être filmé, je refuse d'être filmé, et je refuse d'être filmé au cinéma et à la télévision. Et je n'ai rien contre votre cinémathon, que j'apprécie beaucoup, mais voilà, c'est ma règle de conduite. Et donc, j'avais dit, bon, j'accepte ces conditions. Et après ça, il m'avait proposé de jouer dans un de ses films. Et j'ai joué un petit rôle dans 4 aventures de Renette et Mirabel. Thank you.
Coucou. Bonjour. Ça va? Bien. Bonjour. Bienvenue. Gérard Courant. Marie. Et puis il y a un jeune homme qui nous filme, mais qui n'est pas cinématoneur. Qui n'existe pas. Pour l'instant, pour l'instant. Je ne vous vois pas. À droite. Ah oui, parce que j'ai regardé sur une espèce de plan et qui m'indiquait place de Clichy, porte de Clichy, donc je suis mais non, ah bon, c'est porte devant, c'est... Ah oui, c'est l'opposé, là. Oui, voilà. Un petit verre. Du rouge, du blanc, j'arrive. Bah, c'est normal, ouais, hein. Quand on est une star. Comment vous êtes là? Vous êtes là depuis. Ah, il est. Ah, ben. Mais ça, alors, ça... Ah, oui, mais c'est Alain Pocard, Jean Dutour, Alain Griotteret et Pecknard, qui est le peintre. Ouais, mais alors celui-ci est beaucoup. Milieu des années 90. Il est plus réussi que celui qui est chez mon grand-père. Ah bon, d'accord, parce que celui-là, c'est début des années 90. Hein, mais, non, en fait, il l'a fait exactement, je pense, le même jour, le lendemain, mais habillé de la même manière. Et c'est un portrait de mon grand-père très... Parce que là, il est bien, hein, là. Là, il est très bien, et en fait, sur le portrait qu'il a fait, il s'est planté, il lui a fait des... Il lui a donné un truc trop lourd. Ah oui. Ouais. Non, parce que là, il est... Il a fait des mains monumentales, il s'est un petit peu planté. Je trouve que c'est même le mieux des quatre. C'est celui qui l'a le plus travaillé, effectivement. Oui, oui. Oui. Avant de commencer, je vais expliquer les règles du cinématon. Ces règles sont identiques pour tout le monde. On ne peut pas déroger à ces règles. Donc le principe, c'est un plan-séquence, c'est-à-dire que c'est un seul plan, qui dure 3 minutes et 20 secondes. Pourquoi cette durée? Parce que c'était la durée au départ de la bobine Super 8. Donc pendant presque 30 ans, j'ai tourné en Super 8. C'est un plan-séquence fixe, hein, la caméra ne bouge pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panoramique, par exemple. On reste toujours en plan fixe. C'est un gros plan, un peu comme une photo d'identité, c'est-à-dire voilà, comme ça. Voilà. Il n'y a qu'une seule prise, on ne peut pas recommencer. On est en cinéma muet et on est libre de faire ce qu'on veut devant la caméra. On peut très bien ne rien faire. On peut parler si on veut, mais ce n'est pas enregistré. On a carte blanche. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la caméra est partie, moi, je n'interviens plus. Je reste derrière la caméra, très calme. Je ne dis rien. Voilà. Je laisse la personne totalement libre de faire ce qu'elle veut. Voilà, voilà le principe du cinématon. Alors, donc là, j'en ai pour quelques instants pour faire des réglages. Donc, je fais des réglages de mise au point et de lumière. Donc, j'en ai pour quelques instants. Et quand je serai prêt, je dirai, voilà, je suis prêt. Et on commence. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Et quand tu me dis oui, on peut commencer. Voilà. Donc, pour l'instant, je fais mes réglages. Je ne serai jamais prête pour ce genre de choses, donc, la question. Alors, donc... Donc, on va dire que je serai prête quand vous le serez. Je fais mes réglages là-bas. C'est très particulier comme... Je fais un réglage de mise au point. Ouais. C'est plus que particulier, c'est unique. Particulier. Ouais, je suis le seul au monde à faire ça. Ça vous vivez un moment historique. Alors, donc, je fais de la lumière. Parce que là, je travaille tout ça en manuel. Parce que la caméra, donc là, elle ne bouge. À partir du moment où c'est parti, elle ne bouge plus. Non, il faut pas que je bouge, en fait. Donc, on peut bouger, mais si on bouge beaucoup, on peut. Ça sortir. Si on bouge beaucoup, on peut sortir du cadre, mais ça peut être volontaire. Comme Gérard Jugnot. Voilà, voilà, voilà. Il connaît ses classiques. Parce que Gérard Jugnot, à un moment donné, il s'endort, hein, puis il s'effondre. Puis il revient sur l'écran. Puis il est tellement fatigué qu'il se réeffondre. Alors évidemment, il le joue, mais par contre, il était vraiment très fatigué parce qu'il n'avait presque pas dormi de la nuit. C'était pendant le festival. Ah oui, il avait bien. Oui, voilà, bien c'était pendant le festival de Cannes, et donc je l'avais rencontré dans une soirée, et donc on s'était donné rendez-vous quelques heures plus tard le matin. Et quand je l'ai vu, il m'a dit j'ai presque pas dormi. Il me dit je vais faire la personne qui est crevée, qui s'endort. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il était, il était vraiment fatigué. Voilà. Donc voilà, moi je suis prêt. Donc. Dire, quand vous voulez, quoi qu'il arrive. Voilà, reprenons. Donc j'ai décroché là. Voilà.
C'est pas évident d'être naturel. On n'est pas obligé d'être naturel dans le cinématon. Être naturel, oui. C'est, comme dirait c'est Oscar Wilde, c'est la pose la plus difficile à avoir. Ouais. Hein. Donc, on n'est jamais naturel n'importe comment. Dès qu'on est filmé ou photographié, on ne peut pas être naturel. Sauf si on était filmé à son insu sans le savoir. Mais ça serait la seule situation possible. Ouais. Mais dès qu'on est devant une caméra, on ne peut pas être naturel. Voilà. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu plus que d'autres, mais. Voilà, donc moi je suis prêt. Je pensais que vous aviez déjà. Ah non, j'ai pas commencé. Déjà poussé le bouton voilà. Il y a quelques minutes. Est-ce que je peux y aller alors ? Vous pouvez y aller. Parfait. C'est parti. Mais là, c'est vrai, parce que je parlais, il faut que je regarde le. J'aurais dû vous le demander avant. Ah, on peut regarder ou ne pas regarder. J'ouvre et c'est au sixième gauche. Hein. T'as effectivement presque envie qu'il y ait une deuxième personne. Ça se rapproche pas mal de la thérapie de 3 minutes, de 20, de 30. Surtout, on est un copain de France 3 qui filme aussi les gens qui portent des problèmes. Donc, c'est pas grave. Je vais un petit rouge, un petit blanc, de l'eau minérale. Eh bien, c'est fini. Merci. Alors, les impressions. Je pète de chaud. J'ai pas respiré pendant 3 minutes. En apnée, alors c'est un cinématon en apnée. C'est un cinématon en apnée. C'est hyper dense et c'est très dense tout de suite. C'est très très particulier. Parce qu'en fait, effectivement, on fait. C'est vraiment comme si vous étiez. La caméra. Voilà, la caméra. Je suis l'homme caméra. Ouais, non, mais vraiment. Et effectivement, il y a un truc où on est face à soi-même sans l'être. On a cette espèce d'envie de se tirer, mais en même temps, on allait trop. Voilà. On s'est dit qu'on restait 3 minutes 20. Et non, c'est une. C'est un peu particulier. Moi qui refuse d'être prise en photo. Ah bon, c'est pas. C'est assez particulier. C'est pas désagréable, étrange. Et ouais, c'est très dense. Et avant, quand je tournais avec une caméra Super ouais. 8, alors là, j'avais l'œil collé à l'œilleton. Donc je faisais encore plus corps avec la caméra. Parce que là, il y a un petit recul, parce que je regarde sur. Il y a un recul, mais c'est comme si ouais. Vous étiez vu le concept et voilà. Parce que là, j'étais vraiment caché derrière ma caméra. Les gens ne me voyaient pas beaucoup. Quoi. Ils voyaient surtout la caméra. Ah oui, mais non, enfin, on voit à peine. Hein. Bon, je vous ai appelé au secours, mais à part ça. Alors. À part ça, c'est assez impressionnant. C'est unique. Ouais. C'est ouais, une expérience vraiment, unique. Ouais, c'est une belle expérience. Je dis souvent que c'est le degré zéro du cinéma. Et donc, on pourrait imaginer que beaucoup d'autres cinéastes travaillent un peu dans le même registre. En fait, non, je suis vraiment le seul au monde à faire ce travail-là. On pourrait imaginer que des cinéastes un peu de partout dans le monde fassent peut-être pas exactement le même concept, mais quelque chose d'assez proche. Ouais, et en fait, non. Directrice, c'est pas du tout. Et en fait, non. Je suis seul sur ma planète, bizarrement. Voilà. Alors, je vais prendre tes coordonnées. Ouais. Je vais voler une feuille de papier ouais. À Alain Pocard. Et un stylo qui va avec. Il y a des stylos ici. Voilà, c'est parfait.
c'est parfait. Donc si tu peux me mettre tes coordonnées, donc j'ai besoin du prénom et du nom de la personne, de sa nationalité, de son activité professionnelle. La nationalité ? La nationalité, bon ça, je sais, je la connais. Je la marque quand même au cas où. Oui, c'est vrai qu'il y a un rite. Hein, il y a un générique pour chaque cinématon. Et c'est très important parce que les cinématons sont montrés dans le monde entier. Et donc, c'est intéressant pour quelqu'un, je ne sais pas, un Argentin ou un Chinois, quand il voit un cinématon, il sait, tiens, bah, celui-là ou celle-là vient de, je ne sais pas, de Pologne. Cette personne-là est plutôt écrivain que peintre. Voilà, il a quelques informations. Et puis, je signale le lieu où ça a été filmé, l'heure du tournage. Voilà, ce sont des toutes petites informations, mais qui sont très intéressantes pour les gens qui regardent. C'est un minimum, mais voilà. Puis, là, une adresse email, par exemple. Une adresse email ? Voilà. Je vous la mets en majuscule aussi. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Je laisse la feuille pour le suivant. Et alors, je peux donner le numéro du cinématon. C'est le numéro 2421. Ok. 2421. Et il est... Donc, c'était, oui, c'était donc à moins, on va dire, à 19h55. C'était... L'heure est importante. Oui, bien sûr, parce qu'il y a Dominique Noguez avait écrit dans un dans une très belle étude sur les cinématons que les génériques des cinématons étaient vraiment parfaits pour avoir l'alibi idéal dans le cas d'un crime. Vraiment, là, je risquais rien parce que je donnais des heures précises et on savait que tel jour à telle heure, je faisais telle chose. Thank you.
C'est sympa les photos noires et blancs. Oui, oui. Il y a beaucoup de cinéastes dans les portraits. Hein. Oh, bon, oui, cinéastes et comédiennes. Il y a de tout. Ça reste dans le milieu. Il y a des gens de tous les milieux artistiques. Hein. Mais par exemple, il n'y a pas professeur. Ah, c'est quand même dans l'art, quand même. C'est que des gens du milieu artistique. D'accord. Donc, il faudra. Donc, ce sera ma casquette poète et éditrice. Voilà, c'est très bien. Pierre Gripari. Ah, l'excellent. Oui, j'aime bien, lui. Ah, c'était un grand moment, son cinémathon. Ah oui. Tu sais, ma lampe. Parce qu'il faut faire quoi, alors une lampe. Mais juste, on commence le cinémathon, la lampe pète. Alors là, à l'époque. Super 8, il fallait vraiment avoir de la lumière. Là, on pourrait ne pas avoir de la lumière. Alors, avec la vidéo, ça va. Alors là, il me dit, oh là là, c'est terrible. Et quand il était très parano. Oh, ça arrive qu'à moi, ces histoires-là. Je lui dis, c'est pas grave, il y a un magasin pas loin. Je vais acheter une lampe. Voilà, donc elle est allée dans le magasin. Là, on est allé acheter la lampe. Mais il était complètement paniqué le fait que la lampe avait pété. Elle disait, oh, c'est un coup des soviétiques, je ne sais pas quoi. Du sort. Ben c'est vrai quand même, c'est traumatisant. Hein. Directeur de théâtre. Il a une bonne touche, lui. Hein. Bon, il y a quelques têtes de con quand même, hein, faut dire. Mm-hmm. Il n'y a pas Frédéric du tout. Ah non, il ne veut pas. Mm-hmm. Jack Lang. Il regardait si j'en voyais pas, et il tenait les couilles dans Annie Cabel. Tu parles de Gripari ? Oui, Gripari qui essayait de tenter Frédéric de Gripari. Tu dis, là, c'était chez lui, non ? Non, c'était le portrait de groupe, les Ronchon fait leur président d'honneur. Ah bon ? Il faisait ça, c'est vrai ? Tu le vois en deux. Et regarde, Olivier Sénat, je l'ai rencontré à la Lucarne. Olivier Sénat. Je suis Télérama. J'ai fait des articles dans Télérama. Oh là là, il était déjà à Télérama à l'époque. Et pourquoi ? Alors Pierre Desgranges, un ami, il adore ce qu'il écrit. Tiens, c'est vrai que il avait écrit un bel article sur les cinématons. Hein. Il écrit alors, bien. Il est sauvé. Il écrit bien. On voit. Là. Ils en scène. Ah, qui est-ce ? Oh, c'est Gérard. Moi, en 1985, photo de Jacques Dufresne, québécois. Plus jeune, qu'est-ce que j'ai là sur moi ? Un bon photographe, hein. Très gentil. Oh, ah oui. Ça, c'est mon cinémathon fait pour TF1, 1986. Avec Beverini. C'était l'émission de Beverini. Il n'a pas réussi à tourner un film, lui, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez un côté un peu italien, non ? La Travolta. Mais ça, c'était pour. Oui. Je jouais dans un film. Exactement, oui, c'est dans vrai. Un film de deux femmes. Ah bon, c'était Katrina Tomanaki et Maria Clonaris. Oh, ça, j'avais 4 ans. À 4 ans. À l'époque, je ne savais pas que je ferais du cinéma. Oui, c'est pas mal. Stuart Franger. C'est loin de valoir le roman. Tu as lu le roman de Falkner ? Oui, j'ai lu le roman de Falkner. Ça va beaucoup plus loin, ouais. Même, etc. Oui, le problème des adaptations littéraires, il faudrait oublier le livre. Parce que... Non, mais il y a une règle, c'est qu'un mauvais livre donne souvent un très bon film. Ouais, ouais. Voir par exemple Comme un torrent de James Jones, qui est un livre épouvantable, et le film de Minelli est remarquable. À côté de ça... On a fait des petits chefs-d'œuvre du polar avec des polars à 4 sous. Plus le livre est mauvais, plus on a des chances d'être bon libre, de faire le film. Bah, voilà, c'est ça. C'est ce que si on est devant un chef-d'œuvre, ah, oui, on a tellement peur de passer à l'adaptation de tous les grands classiques du cinéma. Souvent, c'est des trucs pompeux. Les ah, il y a des films de Zola qui ont été fantastiques. Bah, c'est pas. Lesquels ? La Curie. La Curie, c'est Vadim. C'était vachement, c'est un beau film, Casque d'or. C'est pas dans le. Ah non, c'est pas ça. Bah, Thérèse Raquin, ça a ouvert, ça a été le plus grand pourvoyeur de scénarios à Hollywood. Parce que Assurance sur la mort, le facteur sonne toujours deux fois, sort de Thérèse Raquin. La bande à Bruno, oui. C'est un bon film réussi. Mais c'est tout. Il y en a plusieurs. Il y a celle Aménon, je confonds avec Maupassant. Non, c'est un Maupassant. Ça, c'est un très beau film. Il y a des films. Je sais pas, vous n'avez peut-être pas. Maupassant. Une vie de la suite. Non, mais c'est pas une règle. Mais je l'ai pas revu récemment, mais c'est un film que j'aimais beaucoup aussi. Maintenant, c'est toujours la même chose. Non, ça ne marche pas ta règle là. Il y a plein de contre-exemples. Non, évidemment, c'est plus difficile, mais il y a eu des. C'est pas bon. Mais il faut dire, de toute façon, moi, je ne suis pas stendhalien.
La Chartreuse de Parme de Christian Jacques, c'est un peu meilleur. La Chartreuse de Parme, c'est pas mal. C'était l'histoire d'une femme qui chartrait de la Parme. Ah si, il y a Lady Charterley qui est paru il n'y a pas très longtemps, film, là. Suite de Pascal Ferrand, il paraît que c'est pas mal. Ouais. Oui. Alors, en tout cas, Alexandre Astruc a été cinématonné en 1985 à Deauville. Pour bien tourner... Moi, j'ai adoré Au bonheur des dames. C'est un livre que j'adore. Et là, je l'ai vu en film, c'est pareil. J'ai trouvé Est-ce que vous vous souvenez du groupe de rock qui s'appelait Au bonheur des dames? Ah ben, moi, je m'en souviens. J'ai même allez, filles, allez, filles. C'est pas, mais c'est un vieux film. Oui, avec Laurent de Marteau. Oui, c'est ça. Et les films de Victor Hugo. J'ai vu à Bovino. Les films magnifiques sur Les Misérables. Avec Gabin, alors ça c'est un des rares films où Gabin est pas bon. Les films de Victor Hugo, c'est fantastique. Non, il y en a plein. Le Notre-Dame de Paris de Delannoy, c'est pas bon. L'Homme qui rit. Ah, l'affaire Saint-Fiacre de Delannoy est pas mal. L'affaire Saint-Fiacre est pas mal. Bah oui, mais moi je me suis amusé à lire tous les six noms qui ont été adaptés au cinéma. Et les films sont tous meilleurs que les romans d'origine. Le sang à la tête de Grangier est très supérieur au fils cardinaux de Simenon. Il y a un bouquin à faire, là. Ah non, mais on n'arrête pas de le faire. Attends, Florence, des gens comme Alfred et moi, ça fait 30-40 ans qu'on a refait l'histoire du cinéma. En disant les fausses voix. Oui, il y en a, hein. Frix. Alors, je vais expliquer les règles du cinémathon. Les règles sont identiques pour chaque personne. Il y a un cahier des charges qui est très précis depuis le premier cinémathon. Ça n'a pas changé. Donc, c'est un gros plan. C'est-à-dire, quand je dis gros plan, c'est à peu près comme ça. C'est un peu comme une photo d'identité qui dure 3 minutes et 20 secondes. Pourquoi 3 minutes et 20 secondes? Parce que c'était la durée de la bobine de film en Super 8. En cinéma muet... Et la caméra est fixe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panoramique, vraiment la caméra est fixe, du début à la fin, c'est un plan fixe qui ne bouge pas. On est en muet et on est libre de faire ce qu'on veut devant la caméra, on peut très bien ne rien faire, on peut faire plein de choses, on est totalement libre. Et moi, en ce qui me concerne, je suis derrière la caméra et je ne dis rien. Je laisse les personnes faire ce qu'elles veulent, je n'interviens pas, je me refuse d'intervenir, voilà. Donc, mais quand vous dites on peut faire ce qu'on veut, c'est qu'on peut parler alors aussi. On peut parler, mais ce n'est pas enregistré, on est en muet. Donc, mais ah, on peut très bien parler. Mais il faut savoir qu'on est en muet. Mm-hmm. Voilà. Donc j'ai quelques réglages à faire avant de commencer. Et quand je suis prêt, je demande à la personne est-ce qu'elle est prête. Mm-hmm. Voilà. Donc j'en ai pour quelques instants à faire mes réglages. Donc il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Et moi, je dois surtout pas regarder. Alors, on peut regarder ou pas, on est libre de faire ce qu'on veut, donc on peut, on fait ce qu'on veut. Donc j'ai des petits réglages à faire, j'en ai pour quelques instants. J'étais présentable, je sais pas. Mais les réglages, ça change d'une personne à une autre? Totalement, bien sûr. Ah bon? Pourquoi? Les réglages de mise au point. La mise au point, donc à chaque fois c'est différent, on n'est jamais exactement à la même distance, si on veut que ça soit parfait. Puis la lumière, on n'est jamais... Ah oui? Il y a des gens bronzés, des gens clairs, des gens qui ont beaucoup de cheveux, d'autres qui n'ont pas de cheveux, donc ça change la... Ça c'est le béaba. C'est la lumière. Oui, c'est la lumière. Bon, ça c'est la même chose. C'est la même chose en photo au cinéma. Ça c'est la même chose. Mm-hmm. Voilà.
Dites quand vous êtes prête et on peut commencer. C'est vous qui me dites maintenant. Allez, non, la tête est très très bien. Je vois pas ce que ça fait aussi. Bon, ben, je suis non, prête. Non, mais voilà, donc ça donne, voilà, peu, ça donne prête. À peu près ça. Quoi. Ah oui, bon, que je me vois. Bon, alors, d'accord. Voilà, je peux commencer. Oui. Attention. C'est parti. C'est fini. C'est fini. Bon. Je sais pas ce qui se passait là. Mais... Alors. Rien. Ouais, c'est étrange. Ah, c'est tout ce qui est étrange, hein. C'est unique, hein. C'est une expérience unique qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Oui, on ne sait pas si on doit s'adresser. À un moment, je m'adresse, après, je pense à autre chose. Thank you.
moi je suis prêt, on y va quand tu veux là. Donc on y va et Alain tu peux y aller. Hein. Attention, c'est parti. Ne bouge plus, Alain, reste, fais des mouvements très lents. Comme avec une femme, tu sais, tu. Tu t'arrêtes là, c'est bien. Et Alain Bocard, écrivain mais aussi réalisateur. Je m'amuse un peu. Oui, mais tu fais, là, tu balayes là. Ça n'a aucun intérêt ce que tu es en train de faire. Bon, tu t'arrêtes un peu. Tu veux pas que je te la passe à la fin pour filmer courant, non? Non, oui, si tu veux. Il peut le faire ou pas, Gérard? Ah, bien sûr. Oui. Il faudrait que tu me dises quand c'est les dernières 40 secondes. On va le faire là, si tu veux. On va pouvoir le faire. Tu vas me la porter, là. Tu me la poses sur le bureau. Tu me la poses sur le bureau. Tu la poses sur le bureau. Et moi, je découvre ça. Et c'est fini. On a bien rigolé. Thank you.
jeune. Vous étiez jeune, mais c'est amusant de voir ça avec eux. Ah oui, c'était... Ces années de recul. Oui, c'était il y a pratiquement 7 ans, un peu plus de 7 ans, oui. Ben c'est ça qui est intéressant avec les cinématons et les portraits de groupe et les autres séries. Ce sont des fragments de réalité comme ça qui sont pris en un seul bloc. Et quand on les revoit avec des années de recul, c'est très très fort parce que ce sont des éléments comme ça de vérité et qui sont pas montés, quoi. C'est des instants fugitifs notre passé, qui sont restitués des années après. Là, c'est l'antre. Voilà, l'antre. Gérard Courant. Voilà, avec tous les, par exemple, ici, l'intégrale des cinématons jusqu'en 2006 en format Super 8. Donc, dans chaque boîte, il y a 10 cinématons. Ce qui, avec le générique, fait presque 40 minutes. Voilà, donc avec d'autres séries, portraits de groupe, couple, mes carnets filmés, qui est une sorte de journal. Voilà, puis c'est là que se fabrique le montage des films. Combien d'années de travail ici ? Alors ben là, ça représente 35 ans de travail. J'ai commencé en 1975, et voilà, donc. Et les cinématons en 1978, donc on a célébré il y a très peu de temps le premier tiers d'existence des cinématons. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 3 siècles, finalement, la référence ne soit plus que ces cinématons pour parler de quelqu'un ? Ah bah, c'est ce que je me souviens, c'est ce qu'avait expliqué Arabal dans une émission avec Pierre Bouteiller. Il disait « Tous nos films vont disparaître, mais il ne restera plus que les cinématons ». Alors, je ne sais pas si c'est vrai, là, on ne sera pas là pour le voir. Mais l'objectif, quand j'ai créé les cinématons, c'était quand même de créer une mémoire pour les temps futurs. Donc voilà, c'est quand même l'objectif. Et maintenant, on a créé un fonds Gérard Courant à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France. Ça sert aussi à ça pour les chercheurs des générations futures, mais pas seulement pour les chercheurs, pour tout le monde, que ça soit ouvert absolument à tout le monde. Qu'est-ce qui a frappé quand on regarde les gens qui se sont intéressés à ton travail, qui ont écrit dessus, je pense notamment à Michel Foucault, qui est un des principaux. Qu'est-ce qui les frappe dans ta démarche singulière ? Déjà, le cinématon ne ressemble à aucun autre film qui existe dans le cinéma. Donc c'était aussi un objectif quand j'ai commencé à faire des films. Ouais. C'était, je voulais faire des films qui soient complètement des prototypes uniques. Donc, quels que soient les films que j'ai faits, c'était toujours quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Alors,
je ne sais pas, par exemple, Michel Foucault, je lui avais montré des cinématons, et donc il était complètement fasciné par le rapport sadomasochiste, en fait, que la personne filmée entretient avec la caméra, parce qu'en même temps, on a peur d'être filmé, puis en même temps, on a très envie d'être filmé. Et donc le cinématon, c'est cette lutte intérieure que beaucoup de personnes ont quand ils sont filmés. Donc et ça crée quelque chose de très fascinant, et c'est ça qui l'avait beaucoup, surpris. Et Jean-Paul Aron, je me souviens, il avait fait une petite conférence au Studio 43 sur les cinématons, et lui, il disait, mais pour lui, ça allait beaucoup, beaucoup plus loin que la Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait beaucoup plus de vérité dans les cinématons que dans toute la Nouvelle Vague. Alors, il était peut-être sévère, parce que dans la Nouvelle Vague, il y a beaucoup de films qui sont très, très forts. Mais c'était son point de vue. C'est-à-dire que c'était quelque chose de... C'était un point de vue complètement politiquement incorrect, hein, parce que dire ça, c'était quand même un point de vue presque révolutionnaire. En fait, tu vas tu touches à l'essence même de l'individu. La base même de ce qu'on doit filmer en concentré. Oui, oui. Les cinématons, je me souviens, il y avait un critique qui avait dit c'est un striptease mental. C'est-à-dire que le dispositif du cinématon, avec les règles du jeu du cinématon, le fait que ce soit un plan séquence fixe, en cinéma muet, et que la personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais en une seule prise, ça oblige les personnes qui sont filmées vraiment à se montrer intérieurement telles qu'elles sont, même si elles essaient de tricher en jouant, en faisant même des grimaces, en inventant un petit scénario. Quoi qu'il en soit, on est obligé de se montrer tel qu'on est à un moment donné, et ça, c'est inévitable. C'est l'unité de temps et de lieu, c'est le fait que ça soit un plan séquence, que la personne est prévenue à l'avance qu'elle va avoir 3 minutes et 20 secondes. Et donc c'est un bloc de temps, et on sait que ça ne sera pas coupé en morceaux après. Et on sait qu'il n'y a qu'une seule prise, qu'on ne peut pas recommencer. Alors qu'au cinéma, on peut faire autant de prises tant que le metteur en scène n'est pas satisfait du résultat. On refait une deuxième, une troisième prise. On peut aller... Bresson, des fois, faisait 100 prises. Alors que le principe du cinématon, c'est une prise ou la mort. Quoi. Voilà, on ne peut pas recommencer. Quel rapport tu entretiens avec le cinéma, on va dire, dit classique, dans sa narration? Oui, je suis un grand admirateur de cinéma classique. C'est là que j'ai tout appris. C'est en devenant cinéphile, très assidu, que je suis devenu cinéaste. C'est-à-dire qu'en voyant beaucoup de films, beaucoup de classiques du cinéma, des chefs-d'œuvre, mais pas seulement des chefs-d'œuvre, des films de série, même des séries B ou séries Z, c'est là que j'ai appris le cinéma, c'est là que j'ai appris la rigueur. C'est en voyant beaucoup de films d'Eisenstein, de John Ford, de Rossellini. Ce sont des vraies leçons de cinéma. On apprend les bases du cinéma. Et par exemple, j'ai beaucoup aimé le cinéma muet, Abel Gance, Jean Epstein, des cinéastes comme même Lubitsch à l'époque où il était viennois, les films de Dreyer, d'Eisenstein. Et ça, ce cinéma m'a beaucoup fasciné. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles les cinématons, je les ai tournés dès le départ en cinéma muet. Car je trouvais qu'on n'avait jamais fait passer autant d'émotions que dans le cinéma muet. Quand on voit La Passion de Jeanne d'Arc, il y a une force grâce au muet. Il y a presque quelque chose de révolutionnaire dans ce que tu dis là, parce qu'aujourd'hui le muet est complètement oublié. Ça paraît improbable de diffuser dans une salle un cinéma. Vous êtes quelques-uns à résister contre cela. Il y a un garçon qui s'appelle Blondet, c'est ça, non, qui a écrit Les fantômes du cinéma muet. Je sais pas si tu as lu ça. C'est un livre où il ressort carrément des bobines, les acteurs de Louis Feuillade, Suzanne Grandet, Musidora. Oui. C'est-à-dire que... Tu as l'impression d'être à contre-courant de ton époque. Oui, totalement. Mais par exemple, le cinéma muet, quand on voit même le cinéma primitif, hein, avant Griffith, il y a eu des films, avant 1915, il y a eu des choses complètement étonnantes. Et on s'aperçoit qu'il y avait une liberté dans ce cinéma, mais qu'on ne retrouve absolument pas dans le cinéma d'aujourd'hui, même dans ce qu'on appelle, avec beaucoup de guillemets, le cinéma indépendant.
ça n'arrive pas à la cheville de ce cinéma-là, parce que c'était des découvreurs, et ils n'avaient pas d'a priori, ils n'avaient pas d'œillère, donc à chaque film qu'ils faisaient, ils découvraient le cinéma, et quand on voit les résultats aujourd'hui, c'est surprenant. C'est complètement... quand on voit les films de Griffith de 1915, de 1916, on est sidéré. C'est époustouflant. Enfin, on est pris dans les tripes. Ces petits courants deviendra grand, là? Alors, là, c'est un étendard avec un photogramme, en fait, deux photogrammes de Galaxy Barwood, qui était une petite... un petit bébé de 7 mois, une petite fille que j'avais filmée en 1982. Et que beaucoup de spectateurs considèrent comme le plus beau des cinématons. Pourquoi le plus beau? Parce qu'elle arrive à faire passer une quantité d'émotions en 3 minutes et demie, de la joie à la tristesse, à la peur, et c'est une sorte de condensé de la vie. Et quand on avait fait une expo au château de Chamarande, on m'avait demandé un motif pour faire un étendard, et donc j'avais donné voilà, ces deux photogrammes de Galaxy Barwood, qui était une petite star, parce qu'à l'époque, elle posait pour des magazines pour bébés.